Je voudrais que tout le monde ait le temps de présenter leurs invités. Maintenant, c'est la période de questions orales. Le chef de l'opposition de Sa Majesté, Premier ministre, lorsque les néo-démocrates ont appuyé la motion cet après-midi, voulez-vous obéir à la volonté de la Chambre au lieu de faire passer les intérêts du Parti libéral en premier, comme vous l'avez fait par le passé, M. le Président? On met l'accent créer des emplois, faire les investissements nécessaires pour les collectivités et nous voulons être en mesure de stimuler l'économie en Ontario. C'est notre accent, c'est notre intention et j'ai hâte d'avoir la réponse du parti d'opposition concernant les déclarations de demain. Je voudrais leur expliquer à l'échelle de la province notre plan pour les investissements dans les personnes et dans les infrastructures et créer un climat économique pour apporter des investissements à la province. Et qu'est-ce que nous allons faire pour stimuler les investissements? Parce que je crois que c'est la chose pour aller de l'avant. C'est une différence de ce qui a été fait, de ce que veut faire le parti d'en face. Pour nous, nous croyons qu'il faut investir dans l'avenir. Complémentaire. Tristement, c'est ce à quoi je m'attendais. C'est exactement comme sous l'ère McGuinty. Nous avons un parti qui a gaspillé 1,1 milliard de dollars pour sauver deux sièges libéraux, comme par exemple Milton qui aurait pu utiliser un médicament. Pour vous, c'était pas important. Et pour vous, c'était de sauver deux sièges électoraux lors de la dernière campagne électorale. Cette motion dit... On ne fait pas confiance aux libéraux pour gérer la province, que ce soit les aînés, que 20 ans, c'est assez. Et pour nous, nous avons entendu le message des aînés. Si les néo-démocrates avaient le courage d'adopter notre motion et de l'appuyer, et voulez-vous également faire passer les intérêts de la province au lieu de faire passer les votes en premier? Veuillez vous asseoir. Merci. Premier ministre, j'écoute la population qui me disent qu'ils ont élu un gouvernement minoritaire, ils veulent qu'on travaille dans leurs intérêts. Je voudrais préciser ceci. Il y a eu beaucoup de projets de loi qui ont été adoptés au cours des dernières semaines, comme la loi sur les aliments locaux, protection des consommateurs, les soins de santé aux personnes à la maison, la législation sur les lits de bronzage et, ou autres, nous avons trouvé des lieux communs, déposer ces projets de loi et les faire adopter. Voilà pourquoi l'opposition et notre gouvernement, nous avons été en mesure de travailler ensemble. C'est ce que les gens attendent de nous et c'est ce que nous allons continuer de faire. Complémentaire final. La seule façon que vous allez adopter ces projets de loi, parce que nous avons accepté de faire table rase et de faire adopter ces projets de loi. Et qu'est-ce que vous avez maintenant? 10 mois plus tard, tout ce qu'on voit, c'est un ordre du jour vide qui fait qui ajoute davantage de dépenses ou des petits jeux de tour de passe-passe pour distraire l'attention. Nous avons un plan pour créer l'emploi, pour l'économie et attirer d'autres emplois en Ontario. Faisons le travail. Si les néo-démocrates décident d'aller avec nous du côté des contribuables, et quand cela se produira cet après-midi, arrêtez la pendule. Veuillez vous asseoir. Merci. Premier ministre. Je ne crois pas que ces 2000 jeunes qui ont trouvé un emploi, et pour eux, ce n'est pas important. Je ne crois pas que les gens qui avaient un emploi, et nous avons investi pour que Ford puisse concurrencer le marché à l'échelle internationale. Je crois que les gens qui vivent dans le nord et dans les régions rurales, que le 108 millions de dollars d'infrastructures, c'est exactement ce qui est nécessaire pour attirer, pour investir dans leur avenir. Je vais dire ceci, comme par exemple le secteur équin, par exemple.
Nous voulons que ce secteur ait un avenir prometteur et durable. Nous faisons le travail qui est nécessaire. Arrêtez la pendule. Je veux entendre les questions et les réponses. Veuillez poursuivre. Veuillez poursuivre, pardon. Je sais que les gens que nous avons rencontrés, des éleveurs de poulets d'hier, nous avons une position très forte en matière de gestion des risques et nous allons continuer de faire, de défendre cette position. Chef de l'opposition. Madame la Première ministre, j'ai parlé aux gens du secteur écart. Et lundi, s'ils entendent cette question, c'est pas la vérité. Arrêtez la pendule. J'ai eu deux idées en tête. Je n'ai pas entendu ce qui a été dit. Et le ministre de l'Environnement appelle à l'ordre. Veuillez poursuivre. À la Première ministre. Vous vous êtes coupé de la réalité. Vous vous êtes entouré de privilégiés qui bénéficient de transactions privilégiées. Pourquoi ne répond pas à ma question concernant la motion de censure? Les Ontariens ont perdu confiance dans le gouvernement libéral pour la gestion de la province. C'est suffisant. Elle évite la question que peu importe ce qui produira, les néo-démocrates vont signer votre caution à chaque fois pour que vous sortiez de prison. Nous allons voir comment les néo-démocrates vont voter. Nous allons voir vraiment leur vraie moralité. Merci. Merci, M. le Président. Vous savez quoi? Je vais être clair avec le chef de l'opposition. Je ne prends pas pour acquis la position dans laquelle nous sommes. Il faut mériter le respect de la population au jour le jour. Voilà pourquoi nous travaillons si fort pour faire ce que nous croyons en vertu des faits que nous avons. Nous avons des restrictions budgétaires. Nous avons atteint nos cibles en matière de réduction du déficit. Maintenant, il est très important qu'on fasse les investissements pour stimuler l'économie, maintenir les investissements dans les infrastructures, dans l'avenir de l'Ontario, pour que les gens aient une retraite décente et que nous ayons un réseau de santé fort et qu'il y ait un climat économique pour faire prospérer les entreprises. Je demande à l'opposition d'appuyer le projet de loi pour les petites entreprises complémentaires. Maintenant, nous comprenons le problème. Le seul problème, c'est que maintenant, les libéraux atteignent toujours leur cible. Vous avez perdu 300 000 emplois dans le secteur de la fabrication. Les factures d'électricité augmentent, a explosé. Vous avez doublé la dette de la province. Et l'Ontario était le moteur économique de l'Ontario. Je veux retourner l'Ontario sur la voie de la prospérité et avoir des emplois à l'échelle de l'Ontario. Le problème, vous n'avez plus d'idées. Vous avez 36 groupes d'experts et vous êtes la même chose que M. McGuinty. Maintenant, il faut apporter des modifications et les gens le disent à l'échelle de l'Ontario, c'est assez. Débarrassons-nous des libéraux, créons un meilleur climat économique et un meilleur Ontario. Je vous espère. Merci, Première ministre. Monsieur le Président, la réalité, comme de toutes les provinces au Canada, nous avons attiré plus d'emplois qu'ailleurs au Canada. La réalité, que nous avons eu une récession économique incroyable, nous avons créé des emplois. Nous sommes partis de loin. Je ne suggère pas qu'il n'y a plus rien à faire. Je suggère le contraire. Qu'il faut profiter de l'occasion au sérieux et en tant que province, prendre une décision. Nous devons décider collectivement et suivre l'option des conservateurs qui est de la terre brûlée. C'est ce que les conservateurs veulent faire. Ils veulent qu'on coupe les services du public, qu'on diminue les services disponibles
en soins de santé, en éducation, je ne crois pas que ce soit la bonne voie à suivre. Je crois qu'il faut investir pour permettre, pour stimuler l'économie, à appuyer les entreprises. Complémentaire final. La réalité, les gens de l'Ontario ne vous font plus confiance. Vous avez banqueroté la province, vous avez retiré les emplois en Ontario et nous sommes dans un trou financier incroyable. J'entends deux choses concernant votre scandale au gaz, aux centrales au gaz. Deuxièmement, j'entends que les libéraux, on comprend que les libéraux devraient payer pour les gâchis des centrales au gaz. Un problème. Je ne sais pas où est la position des néo-démocrates qui vous adoptent et qui vous appuient. J'espère qu'ils seront une fois pour tout à la défense des contribuables et d'éliminer le gouvernement libéral corrompu. Veuillez arrêter la pendule. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Merci. Première ministre. Merci, M. le Président. Je ne crois pas qu'il y avait une question, mais la réalité est telle. Nous allons faire les investissements, donner les appuis pour que les services soient là, qu'ils soient disponibles, qu'il y ait un climat économique pour attirer les petites entreprises. Et on aimerait avoir que de faire adopter ce projet de loi pour adopter les petites entreprises et alléger le fardeau fiscal. Et ceci a été bloqué en comité. Et ce serait une aide pour les petites entreprises de la province. Et l'opposition travaillait avec nous pour faire adopter ce projet de loi sur les petites entreprises. Je crois qu'investir dans les infrastructures est nécessaire, et également dans les régions rurales et du Nord. Arrêtez la pendule. Ministre responsable des aînés, je n'ai pas besoin de vos commentaires. Oui, on a des défis. C'est pour ça qu'il est très important de prendre les bonnes décisions en ce moment-ci qui va nous mettre sur la voie de l'avenir pour développer notre potentiel. C'est pour ça que ces investissements sont importants. C'est pour ça que nous allons continuer à trouver des opportunités d'investissement pour faire stimuler l'économie. Leader du troisième parti, ma question s'adresse à la première ministre. Pendant des années, le gouvernement libéral, que l'harmonisation va améliorer la productivité et attirer les investissements. Pourquoi la première ministre peut nous expliquer que 9 provinces au Canada, nous sommes la 9e de toutes les 10 provinces au Canada en matière de prospérité et de croissance? C'est une excellente question sur la fiscalité qui est en place, et le ministre des Finances va en parler demain, qu'il est important qu'il faut s'assurer que ces mesures donnent les résultats prévus, et c'est quelque chose qui est important sur lequel il faut se pencher. Et je suis content que la chef du troisième parti ait soulevé cette question. Question complémentaire. Vu que depuis que les libéraux ont été élus, on a perdu 300 000 emplois avec de bons salaires. Et en dépit de promesses après promesses, ces bons emplois ne sont pas revenus. Aujourd'hui, 110 hommes et femmes qui travaillent à l'usine Kellogg's à l'Inde ont appris qu'ils vont perdre leurs emplois en janvier. Est-ce que la Première ministre peut admettre que sa politique ne fonctionne pas? Réponse? Non. Ce que je dis, il y a un certain nombre de choses en fonctionnement ici. Il faut regarder le système de remise fiscale et s'assurer que ces remises ont l'impact nécessaire, et on le fait. Et le ministre va parler de ça demain. L'autre réalité, c'est que dans le secteur manufacturier, il y a eu des changements. Et quand je vais à des usines de fabrication à travers la province, comme je l'ai fait, soit pour
du traitement dans d'autres secteurs. Ce que je vois, c'est que d'abord, on a besoin des aptitudes différentes et une taille différente de main-d'œuvre, de gens qui travaillent. Donc, nous sommes en transition et c'est important qu'on renforce, qu'on aide l'économie, qu'on ait des soutiens pour transition où on puisse avoir de bons résultats. Et j'accueille le soutien. Question complémentaire finale. Depuis 10 ans du gouvernement libéral, il y a 300 000 emplois, de bons emplois dans le secteur manufacturier sont disparus. Notre province a les tarifs d'électricité les plus élevés au pays, la productivité, la croissance de productivité la plus faible au pays. Et un taux de chômage qui est au-delà de la moyenne nationale. Le plan qui travaille, mais ça suggère d'autres choses. Et les gens qui ont perdu leur emploi à London veulent des vrais gestes. Il y a des emplois à travers la province qui sont revenus, il y a des usines qui sont en expansion et des entreprises. Mais comme j'ai dit avant, c'est très important qu'on joue pour nos avantages et on trouve des secteurs où on a la capacité d'avoir une expansion. Et en tant que ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, c'est un des secteurs où il y a un grand potentiel d'expansion. Et c'est pourquoi j'ai relevé un défi aux transformateurs et aux producteurs de l'industrie alimentaire pour faire ce qu'ils peuvent pour avoir une expansion avec notre soutien. On étudie des questions des règlements et on a en place des programmes de gestion et nous avons investi 30 millions de dollars pour qu'on puisse avoir une expansion dans le secteur. C'est pourquoi je dis qu'il faut jouer à nos avantages. Nouvelle question, la chef du troisième parti. Merci, ma question s'adresse à la première ministre encore une fois. Elle dit qu'elle veut plus de transparence et elle n'est pas prête à joindre ses gestes aux mots. Pourquoi est-ce que les députés libéraux ce matin ont voté contre demander à la vérificatrice générale d'étudier la question de 180 millions de dollars sur les expansions des plans nucléaires? Réponse de la première ministre, merci, j'apprécie. Je n'ai pas vu le journal des débats de ce matin. Je ne sais pas exactement ce qui a eu lieu en comité. Ce que je peux dire, c'est que j'ai répondu à cette question avant, quant aux 180 millions de dollars. Ils étaient dépensés pour préparer pour une nouvelle construction nucléaire qu'on a déterminée, que n'est pas nécessaire. Mais ce travail qui a été fait, ce n'est pas un travail gaspillé. C'est du travail qu'on peut utiliser quand on détermine qu'on a besoin d'avancer. Les 180 millions de dollars ont été bien dépensés, c'est des renseignements nécessaires et ça va nous aider ce travail si on décide de changer dans l'avenir. Merci. Question complémentaire. Les libéraux savent qu'on ne peut pas faire confiance aux libéraux de dire tout sur le travail gaspillé. Les libéraux ont dit que ça coûterait 40 millions de dollars d'annuler les centrales, la centrale au gaz d'Oakville et le bureau du vérificateur général a démontré que c'était 20 fois de plus. Alors, ils ont dit que c'était 190 millions de dollars pour Mississauga et le bureau du vérificateur général a démontré que c'était beaucoup plus, 85 millions de dollars. Pourquoi est-ce que les députés libéraux ont voté pour arrêter l'examen indépendant du vérificateur général du coût de l'expansion nucléaire? Le leader parlementaire du gouvernement, je pense que l'honorable chef des néo-démocrates, dans sa question, démontre l'effet clair que les libéraux n'ont pas la majorité et, en fait, les députés de l'opposition nous ont rejoints pour opposer leur motion parce que la motion avait des erreurs. Les suppositions derrière la motion étaient inexactes et elle est en comité et les gens du comité doivent faire ce qu'ils veulent. Avec l'appui de l'opposition, on a dit que c'était une motion inappropriée. Si l'honorable député veut parler de
transparence. Je vais parler de notre première ministre qui a demandé à la vérificatrice générale d'étudier la question de centrale au gaz de Oakville et elle est prête à comparaître pour répondre à des questions où le projet, la chef du NDP voulait annuler. Question complémentaire. Pour les familles qui payent les tarifs d'électricité les plus élevés, c'est une question simple. Ils sont fatigués de voir le gouvernement libéral qui utilise le système électrique comme un ballon et c'est eux qui devraient la note. On a demandé à la vérificatrice générale de voir combien d'argent a été dépensé pour les dépenses et pourquoi est-ce que la première ministre, à part, est concernée d'un examen indépendant par la vérificatrice de cette question-là, le ministre de l'Énergie. Merci, Monsieur le Président. D'abord, Monsieur le Président, de différer des nouvelles installations nucléaires, c'est la bonne décision. On ne va pas investir 15 milliards de dollars de l'électricité parce qu'on n'a pas besoin. On a du surplus maintenant. Des dépenses d'OPG ont été examinées par l'Office d'électricité de l'Ontario. C'est une agence indépendante qui a publié les renseignements publiquement. Les renseignements qu'on demande en commission sont publics sur le site web de l'OPG. Vous aurez la réponse que vous voulez. Deuxièmement, ils n'ont pas de plan pour l'énergie. Tout ce qu'ils veulent, ils veulent juste critiquer. Leur base nous dit et nous remercie des décisions qu'on prend parce que eux, ils n'ont pas de plan du tout. Merci. Nouvelle question. La députée de Nepean Carlton. Ma question s'adresse à la première ministre. Oui, la première ministre. Hier, dans le comité de la justice, Joanne Butler nous a rejoints et elle a confirmé encore une fois que tous les gens dans le conseil des ministres, et vous, inclus vous, vous saviez quels étaient les couvrets de l'annulation de la centrale au gaz d'Oakville qui serait plus de 40 millions de dollars. Je suis troublé du fait que vous dites jour après jour ici, vous le saviez, vous avez refusé d'avoir une enquête juridique, vous avez refusé de comparaître devant le comité et de déposer une motion de confiance dans cette chambre. Donc la seule chose qu'on peut faire, c'est d'avoir une motion de l'opposition pour parler de la confiance qu'on n'a pas. Et il y aura un vote si la grande majorité de la Chambre a la confiance dans vous. Et c'est à vous de décider si vous avez ignoré ou écouté la volonté de la population. Si cette motion est adoptée, est-ce que vous allez faire la chose honorable et démissionner? Je sais que le chef ou le leader parlementaire du gouvernement va parler des questions techniques. Mais si les raisons pourquoi je comparais en comité, ils peuvent annuler sa motion parce que j'ai une date. Je vais comparaître en décembre. J'étais là une fois déjà en comité. J'ai comparu devant le comité, j'ai dit tout ce que je savais. Je vais revenir le 3 décembre, je vais répondre aux questions encore une fois. Mais le fait est que j'ai donné au comité tous les renseignements que j'ai. Nous avons une date le 3 décembre et il faut organiser le calendrier et je serai là pour répondre à des questions encore une fois. La dernière fois où la première ministre est comparue, j'étais là, elle a pas répondu à des questions. Elle a retenu cette déclaration de 40 millions de dollars et John Butler vous a contredit. Vous avez gaspillé 1,1 milliard de dollars et vous n'êtes pas redevable pour ce montant. La faillite morale de ce gouvernement libéral est tellement évidente. Vous pouvez seulement rester au pouvoir parce que les néo-démocrates vous appuient. Et nous, dans le Parti progressiste conservateur, contrairement aux néo-démocrates, on écoute les concitoyens et on veut que le Parti libéral paye l'argent.
Les seuls gens qui évitent que le gouvernement tombe, c'est les néo-démocrates qui font des pirouettes ici à côté. Arrêtez la pandémie, s'il vous plaît. Thank you. Le leader parlementaire du gouvernement. Revoyons les faits. C'était cette première ministre qui a demandé à la vérificatrice générale d'étudier la question de la centrale Oakville, qui a demandé au comité de la justice d'élargir son mandat et qui a pris la responsabilité et qui a établi un plan de corriger les choses. C'est ce parti-là qui a passé la dernière élection en disant que le seul moyen d'avoir une annulation des centrales, c'est de voter progressiste-conservateur. C'était ce parti qui a envoyé des communiqués de presse, qui était sur Twitter avec des vidéos YouTube et qui maintenant refuse de parler de leur plan et de leur coût et de ce plan qui ne laisse pas 5 de ses candidats de comparaître devant le comité pour parler des coûts. Si on veut parler de redevabilité ou manque de redevabilité, il ne faut pas voir plus loin que l'opposition officielle. Merci. Nouvelle question. Le député de Windsor-Tecumseh. Merci. Ma question s'adresse à la Première ministre. Bonjour, Madame la Première ministre. Les néo-démocrates ont demandé à répétition à ce gouvernement de passer au geste pour protéger des services oncologiques à Windsor et au canton d'Essex. En dépit d'assurance, les patients vont perdre toutes les chirurgies thoraciques au printemps prochain. Il semble à la population de Windsor et du comté d'Essex que ce gouvernement libéral n'entend pas ses préoccupations. Est-ce que la Première ministre est prête à se mettre de côté et faire rien quand on perd des services essentiels de santé? Merci, Monsieur le Président. J'apprécie la question et je sais que la ministre de la Santé et des Soins de longue durée a répondu à cette question hier et a reconnu, comme moi je veux, la défense que la députée de Windsor West a faite pour cette question avec la ministre de la Santé et moi-même pour assurer que les décisions qui sont prises répondent au meilleur intérêt de tous les concitoyens dans la collectivité. Alors, les experts d'Action Cancer Ontario veulent s'assurer que tous les patients, y inclus à Windsor, reçoivent les meilleurs soins, c'est-à-dire ils trouvent des moyens et des assurances que les résultats pour les patients de cancer continuent à avoir des améliorations. Si les hôpitaux doivent répondre à un volume minimal de chirurgie pour que ces résultats continuent à s'améliorer. Et que dans ce cas, on a un centre thoracique du thorax. Donc, nous savons, le plus de chirurgies qui sont faites, le meilleur sont les résultats. Et c'est pourquoi les décisions sont prises. Question complémentaire? Monsieur le Président, les résidents de Windsor et du canton de Essex veulent protéger les services de soins de santé. Ils veulent que le gouvernement écoute les hôpitaux, les médecins, et les patients qui savent que déplacer des chirurgies du thorax à London, c'est la mauvaise chose à faire. Monsieur le Président, des exceptions ont été faites avant, mais cette fois-ci, le gouvernement n'est pas prêt à envisager la possibilité que le nombre de chirurgies n'est pas aussi important que l'accès à ces chirurgies qui peuvent sauver la vie de quelqu'un. Je demande à ce gouvernement encore une fois, est-ce qu'ils vont passer au geste pour protéger les services de santé dans le comté de Essex et à Windsor, ou est-ce qu'ils sont déterminés à rien faire pendant que le public se plaint de davantage? Nous ne sommes pas assis derrière, pas du tout. C'est une grande préoccupation que ces services sont les meilleurs services et qu'ils soient disponibles à tous les concitoyens dans votre circonscription et dans toute la collectivité. C'est très important que la population de Windsor et de la région puisse avoir des services de meilleure qualité. Le ministre de la Santé continue à travailler
pour que les services de meilleure qualité soient disponibles. Et c'est exactement ce que la députée de Windsor West a toujours dit. Elle a soulevé la question avec nous. On va continuer à travailler avec elle et avec le député d'en face de Windsor Tecumseh pour assurer que ces services sont disponibles à la meilleure qualité. Merci. Nouvelle question, la députée de Scarborough-Guildwood. Merci. Ma question s'adresse au ministre du Travail. Je sais que notre gouvernement s'engage à investir dans les jeunes. Et nous voulons d'assurer que pendant que les jeunes y travaillent, ils aient un milieu de travail sécuritaire et équitable. Les concitoyens de ma circonscription de Scarborough-Guildwood sont très contents qu'on aide les jeunes. C'est une grande priorité pour nous. Ils sont concernés quant aux stages qui ne sont pas payés et ils continuent à parler de cela. Et je demande au ministre, est-ce que ces stages sont légaux en Ontario et qu'est-ce que le ministère fait pour assurer que les stagiaires qui commencent à travailler sont payés pour le travail qu'ils font? Le ministre du Travail, je remercie la députée de Scarborough-Guildwood de demander des questions au nom des jeunes. Le fonds d'investissement d'emploi pour les jeunes est un bon investissement et plus de 2400 jeunes à travers la province utilisent ce programme. Mais on veut s'assurer qu'on a des lieux de travail très sécuritaires. Mais je vais assurer tout le monde. En Ontario, peu importe quel est le titre, si vous travaillez pour quelqu'un, vous êtes couvert par la loi sur les normes d'emploi. Il n'y a pas aucune chose des stages non payés. Il y a une exemption très petite pour des étudiants dans des programmes en coopérative, des programmes de stage pour la formation et l'emploi indépendant. Toute préoccupation quant aux conditions de travail doit être faite au ministère du Travail, à sa ligne gratuite 1-800-531-551 et on peut vous donner de l'aide en 23 langues. Question complémentaire. Merci de ces réponses. Je sais que les familles, les jeunes de ma circonscription de Scarborough-Guildwood seront comptés que leurs proches sont protégés et sont traités de façon juste. Et c'est bien d'entendre que plus de 2400 jeunes ont trouvé des emplois par le fonds d'emploi pour les jeunes. Mais souvent, il y a des concitoyens qui me disent que même s'ils savent que le ministre du Travail est là pour les aider, et ils ne veulent pas les contacter. Je demande au ministre, est-ce que, au-delà des plaintes formelles et des inspections réactives, est-ce qu'il y a d'autres moyens où on enquête? Réponse du ministre, il n'y a pas de stage non payé. Si vous travaillez pour quelqu'un, vous êtes payé, vous êtes couvert par la loi des normes de travail. Et dans notre ministère, nous sommes très actifs et moi, en tant que ministre du Travail, je veille à la question. J'ai parlé à des groupes d'étudiants et institutions postsecondaires et employeurs pour que les gens savent qu'il n'y a pas de confusion quant aux règles. On va enquêter toute plainte pour appliquer les règles et nos agents d'application de la loi font des inspections proactives. Au printemps, dans le budget, on a débloqué 3 millions de dollars additionnels pour les normes d'emploi pour que les gens savent quels sont les droits et on protège les stagiaires. Et pour savoir davantage, vous pouvez voir dans le site web. Merci. Nouvelle question, le député de Barrie. Ma question s'adresse au ministre responsable des Jeux panaméricains et parapanaméricains. La sécurité et les transports sont reliés. Et votre approche de laisser faire à la sécurité nous fait préoccuper quant au plan de transport. La grande région de Toronto a beaucoup de problèmes de transport, mais vous n'avez pas de plan et il n'y a pas de budget. Mais je suis concerné parce que les endroits sont connectés par les pires routes et la ligne de la Commission des transports de Toronto est celle qui est la plus achalandée. Vous allez ajouter des milliers d'emplois.
Mais quand est-ce que vous avez dévoilé le plan pour les Jeux panaméricains, le ministre responsable des Jeux panaméricains et parapanaméricains? J'ai eu différentes rencontres avec le député de l'autre côté, mais ces réunions ne se sont pas produites présentement. Je ne sais pas la raison pour laquelle il a annulé nos rencontres, mais Monsieur le Président, nous avons différentes sections sur lesquelles nous voulons parler, entre autres la responsabilité des Jeux. Intervention du Président. Je crois que le microphone ne fonctionne pas. Est-ce qu'on peut réessayer, s'il vous plaît? Il fonctionne? Il fonctionne. Merci, Monsieur le Président. Ça parle donc de notre engagement à rendre ces jeux les plus transparents et les plus ouverts possibles. Notre gouvernement a mis de l'avant le comité organisateur afin de protéger les dépenses, la loi sur la vie privée. Et nous continuerons à faire part de nos progrès au public. Nous voulons nous assurer que de finaliser le tout à temps et sans compromettre la sécurité des citoyens. Merci. Complémentaire. Monsieur le Président, vous ne pouvez pas commencer à planifier au milieu du projet. Comme le ministre continue de mentionner, vous savez, il n'est jamais trop tard pour devenir le ministre responsable des affaires panaméricaines, des Jeux panaméricains, parapanaméricains. Le 29 avril, je vous ai demandé un plan de transport. Vous avez répondu que vous y travaillez et qu'il serait terminé à la fin des années 2013. Monsieur le ministre, vous savez quoi? Nous en sommes à la fin des années 2013. Il n'y a aucun plan, aucun budget et nous n'entendons absolument aucun chiffre de votre part. Et en plus, vous essayez de bloquer une motion en comité afin d'empêcher une enquête dans les Jeux Paname et Parapaname. Répondez à une question simple, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, répondez-nous. Quels seront les coûts de votre plan de mettre sur le transport pour les Jeux? Le ministre. Ce n'est pas encore. Nous ne sommes pas encore en décembre 2013. Monsieur le Président, notre plan pour le transport des Jeux est en cours. Nous essayons aussi d'avoir un plan d'engagement afin d'avoir un bon transport pour toutes les parties prenantes dans ces Jeux. Nous ne pouvons pas faire des suppositions sur le coût du transport présentement parce que le coût sera réel lorsque le plan sera finalisé. C'est un plan de 12 à 18 mois avant de commencer à les mettre en opération. Merci, Monsieur le Président. La députée de London West, nouvelle question. Merci. Ma question s'adresse à la ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels. Madame la ministre, la fin de semaine dernière, Adam Garkus a été battu et assassiné au centre de détention d'Elgin Middlesex. Nous savons maintenant qu'il n'y avait que deux officiers qui surveillaient trois unités avec 150 détenus, alors qu'il y aurait dû avoir deux officiers par unité. Est-ce que la ministre croit que c'est la meilleure manière d'agir avec les services correctionnels? À la ministre. Merci, Monsieur le Président. La députée ne fait que des suppositions sur le nombre de personnels qui étaient en place. Je sais que la capacité n'était pas complète. Et je sais aussi que nous avons fait beaucoup afin d'améliorer la sécurité de nos détenus, mais aussi de nos officiers à ce centre de détention. Et je vais continuer à travailler avec le syndicat et l'administration afin de s'assurer que la situation s'améliore à ce centre. Comme je l'ai dit,
Nous avons mis en place 350 caméras et modules de contrôle. Nous avons 6 détecteurs de métal et nous avons augmenté le nombre d'officiers à 11 dans ce centre. Merci. Complémentaire. Encore une fois, la ministre. La ministre répète ce qu'elle nous a dit lundi passé, qu'il y a de nouvelles caméras de sécurité et qu'il y a de nouveaux avantages dans ce centre de détention. Et c'est vrai que les caméras ont permis d'identifier les suspects après les faits, mais ça n'a pas empêché Adam Garcus de perdre la vie. Quand est-ce que le ministère réglera les problèmes du centre de Delgate Middlesex et empêchera ce genre d'action de se reproduire? La ministre. Monsieur le Président, vous savez, oui, c'est une tragédie. Et ce qui s'est produit à ce centre de détention, c'est une situation tragique. Je sais que la police font une enquête présentement. Et donc, on ne veut pas faire de suppositions. Le chef coroner fera aussi sa propre enquête, et ce, à l'interne. Nous faisons donc nos enquêtes. C'est la situation, Monsieur le Président, dans nos installations correctionnelles à tous les jours. Le personnel font face à des risques, font face à de la violence de la part des détenus et nous avons des procédures en place pour régler les problèmes. Monsieur le Président, ce qui me réjouit, c'est que de l'an passé à cette année, l'an passé, il y avait 244 attaques de détenus contre détenus et maintenant, c'est un chiffre qui a diminué. Député d'Ottawa Sud, merci. Ma question s'adresse au ministre en charge du logement. Monsieur le ministre, il y a eu un changement le 18 octobre à la loi sur les logements et nous aurons maintenant une nouvelle ligne de transport au centre-ville d'Ottawa. Nous avons c'est un développement qui est essentiel pour mes commettants et nous avons de plus en plus de densité dans le centre-ville d'Ottawa-Sud. Et donc, nous avons besoin de routes d'autobus telles que pour la ligne 114. Il y a aussi beaucoup d'écoles qui sont dans le centre-ville. Donc, est-ce que le ministre peut nous dire comment la révision du développement aidera ma collectivité à mieux se préparer au développement? La ministre des Affaires municipales et du Logement. Oui, je voudrais remercier le député de sa question. Les collectivités à travers l'Ontario font face à différents changements tels que ceux qui se produisent à Ottawa. Nous continuons à travailler avec les municipalités afin de s'assurer qu'il y ait un bon développement et qu'il y ait les coûts nécessaires pour ce développement. Il y a les habilités qui sont limitées dans les déplacements des différentes collectivités. Nous voulons aussi avoir plus de redevabilité et de transparence dans les processus. Et en fin de compte, nous voulons avoir plus de clarté lorsqu'on parle des coûts des différents processus de développement. Notre gouvernement croit qu'il est temps de rafraîchir le système afin qu'il réponde aux besoins de nos collectivités. Je veux vous demander, à vous et vos commettants, de participer à la révision, à l'étude sur les gouvernements et les municipalités parce que nous voulons régler les problèmes. Merci, complémentaire. Merci, Monsieur le Président. C'est bien de voir qu'il y a de plus en plus de développement dans nos collectivités et que nous continuons à les respecter. Au contraire du parti de l'opposition, lorsqu'ils étaient au pouvoir, ils ont forcé la fusion des collectivités à travers la province. Il y a plusieurs problèmes, entre autres, à Ottawa, Niagara Falls ou au nord-ouest de Manitoula. Il y a beaucoup de problèmes avec l'urbanisation. Certains processus sont compliqués, difficiles à naviguer et compliqués à comprendre. Madame la ministre, nous devons nous assurer qu'il y a un plan qui fonctionne pour les municipalités et les groupes communautaires, ainsi que pour les promoteurs, tout en continuant à répondre aux changements. Monsieur le Président, est-ce que la ministre peut expliquer à mes commettants comment ils peuvent s'impliquer dans le développement urbain? La ministre, merci.
En tant qu'ancienne conseillère municipale, je comprends qu'il y a plusieurs défis à travers la province. Cependant, notre système d'urbanisation permet à nos municipalités de développer les plans et les processus de façon plus simple. J'ai entendu parler les leaders municipaux, les promoteurs et ceux qui font les plans, ainsi que le public, et on sait qu'il y a beaucoup de conflits qui créent beaucoup de frustration. Il y a des groupes de travail à Kitchener-Waterloo, Ottawa, Sault Ste. Marie, Thunder Bay, la région de Peel et Toronto, afin d'écouter les inquiétudes des Ontariens et de les informer sur la manière dont ils peuvent participer au processus de développement des villes. Et nous voulons nous assurer que les villes se développent de façon prospère et durable. Merci, Monsieur le Président. Nouvelle question, le député de Halton. Ma question s'adresse à la Première ministre. Madame la Première ministre, la population se fie à notre système de santé. C'est quelque chose qui définit nos valeurs en tant que Canadiens. Nous nous définissons en termes de nos responsabilités partagées envers les uns les autres et notre diversité et la façon dont on accueille les différences de nos sociétés. C'est la chose canadienne à faire. Dans ce contexte, la ministre de la Santé a la confiance des gens, la confiance sacrée. Et donc, Madame la Première ministre, votre gouvernement continue de refuser d'aider Kim Fletcher et les gens qui sont dans sa situation. Mon système de santé inclut Kim Fletcher, Madame la Première ministre. Pourquoi est-ce que votre système ne l'inclut pas? La Première ministre, merci, Monsieur le Président. Je sais que la ministre de la Santé a parlé à cet effet plusieurs fois et je veux simplement dire que, comme elle l'a dit, c'est une histoire très triste et tragique. Une jeune femme qui a des enfants se retrouve dans cette situation difficile. Et elle a un prognostic qui est plutôt effrayant. Monsieur le Président, il n'y a rien de plus important pour nous que de sauver la vie des gens. Mais une partie de ce rôle et de cette responsabilité, c'est de sortir les politiques de ce genre de décision. C'est exactement ce que l'on a dû faire, Monsieur le Président. Nous avons tous les médicaments qui sont évalués par un comité d'experts qui font une évaluation complète. C'est le processus qui est en place et il faut le respecter. Complémentaire. Madame la Première ministre, votre système de soins de santé a évolué dans un système de santé où les gens perdent. Vous pouvez vous retirer du processus, vous attendez les décisions qui sont prises par un comité qui se rencontre rapidement ou non. Le temps n'est pas une ressource pour les individus tels que Kim Fletcher. Si vous ne savez pas si le comité de votre ministre des Soins de santé se rencontrera à temps pour lui donner plus de temps avec sa famille et ses amis, c'est terrible. Kim Fletcher se fie au rôle de la ministre de la Santé. Si la ministre ne peut aider les gens tels que Kim Fletcher, à quoi sert la ministre? Madame la Première ministre, mon système de santé inclut Kim Fletcher. Il semble que votre ministère ne réussisse pas et n'agisse pas pour la population, donc je vous demande, est-ce que vous remplacerez la ministre de la Santé? La Première ministre. Merci, Monsieur le Président. Et vous savez, notre ministre de la Santé est très engagée dans les soins de santé, tout comme les autres ministres avant elle, et elle respecte le processus. Et nous avons un système objectif qui pèse le pour et le contre dans toutes les situations. Le comité a évalué deux fois la situation de Kim Fletcher et la ministre a demandé de s'assurer qu'ils ont révisé les preuves les plus récentes à cet effet. Elle a pris ces mesures afin de s'assurer que cette révision se fasse, mais il est impératif, Monsieur le Président, de s'assurer que nous ayons des mesures objectives pour prendre nos décisions. Qu'elles soient tragiques et difficiles, c'est quand même nécessaire d'avoir un système en place afin de prendre des décisions, et c'est ce qu'on fait, Monsieur le Président. Nouvelle question, le député de Témiscamingue-Cochrane. Merci. Ma question s'adresse au ministre du Développement du Nord et des Mines. Monsieur le ministre, il y a 20 ans, vous avez
annoncé un investissement dans le transport Northland et vous n'avez fait aucune consultation et vous n'avez pas évalué les coûts. Les gens du Nord ont maintenant forcé le gouvernement à aller de l'arrière. Et le ministre a eu un comité qui, et il a dit qu'il y a plusieurs options pour la commission du transport Northland. Ma question est donc simple. Est-ce que le ministre agira sur les recommandations de ce comité? Le ministre, merci pour la question. Je l'apprécie grandement. Nous nous engageons à ce que cette commission continue à fournir ses services. C'est un organisme important. Nous travaillons avec les ministres, le conseil du ministre. Nous avons fait beaucoup de consultations. Il y a plusieurs discussions sur la meilleure voie à suivre. Et donc, en mai dernier, j'ai assisté au comité, j'ai fait une déclaration et nous voulions nous assurer qu'il y avait plusieurs options. Vous avez mentionné les recommandations qui sont mises de l'avant. En fait, nous continuons à faire notre travail avec le comité et j'ai bien hâte de me réunir avec le comité encore très, très bientôt. Mais ce qui est important, c'est de maintenir un système qui fonctionne, qui est efficace pour les gens du Nord. Et c'est ce qu'on essaie de faire. Complémentaire. Encore une fois au ministre, le conseil du ministre a remis leurs recommandations et ont un plan très clair. Le comité des gens du Nord sont inquiets parce que le statu quo empêche la compagnie de faire une proposition pour différents contrats. Et ça laisse les familles dans beaucoup de difficultés. Le temps est essentiel. Donc, ma question est simple. Est-ce que le gouvernement écoutera les gens du Nord et agira sur les recommandations du Conseil du ministre? Le ministre, merci encore une fois. Et certainement, je vais reconnaître que le Conseil des ministres ont vu que le statu quo n'est pas une option. Il y a différentes options pour la Commission et le statu quo n'est définitivement pas une option. Il faut donc évaluer toutes les occasions, toutes les voies à prendre. Il y a aussi la division de la rénovation qui peut être évaluée. Et nous sommes convaincus qu'il y a des manières d'améliorer les opérations de la Commission. Donc, nous continuons à travailler avec le Conseil. Ils sont très dévoués et nous écoutons toutes les recommandations qu'ils nous donnent. Donc, ce travail continue. Et nous voulons nous assurer aussi que nous reconnaissions que le statu quo n'est pas une option, mais nous voulons nous assurer de choisir la bonne voie. Nouvelle question, député d'Oakville. Merci, Monsieur le Président. J'ai une question pour le ministre des Affaires autochtones. Je voudrais lui poser une question au sujet des recommandations qui sont sorties de l'enquête Iroquois. En 2008, nous avons décidé qu'il fallait faciliter, simplifier les consultations entre le gouvernement, le secteur privé, les Premières Nations ainsi que les collectivités métisses. Je veux savoir qu'est-ce qu'on fait afin de s'assurer que toutes les Premières Nations et les Métis aient le même accès aux mêmes occasions et possibilités que les autres Ontariens. Il y a un fonds de responsabilité qui est essentiel et qui est très bien, et je veux savoir quel progrès a été fait à cet effet. Merci, le ministre. Merci pour la question, Monsieur le Président. Ce nouveau fonds de relations donne aux collectivités, aux communautés, les outils nécessaires pour avoir une croissance économique qui amènera des changements à long terme et qui sont essentiels pour les Premières Nations. Et ça aidera les communautés autochtones ainsi que les organismes à se consulter. Il y a trois types de financement pour les consultations générales qui sont disponibles pour les Autochtones et pour les Premières Nations et les communautés métisses. Et il y a aussi tout ce qui concerne le secteur privé et les terres. Il y a aussi un deuxième type, c'est l'amélioration de l'immobilier dans les collectivités autochtones. Et, Monsieur le Président, le fait est que
La prospérité de l'Ontario à l'avenir dépend de tous les Ontariens, des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Merci, complémentaire. Merci. Cela semble tout à fait progressiste. Alors, c'est un bon pas dans la bonne direction pour assurer que les Autochtones et les Métis aient accès à toutes sortes d'occasions de travail. Mais je ne sais pas exactement comment le fonds va marcher. On ne sait pas comment le fonds va donner des résultats et on voudrait s'assurer que le fonds va être très utile. Alors, pouvez-vous nous donner des exemples de la façon dont ce fonds va marcher et comment est-ce qu'on pourra engager le gouvernement et le secteur privé? Entre 2008 et 2013, il y a eu un fonds, nouveau fonds de relations pour appuyer toutes sortes de projets dans 137 Premières Nations et également des nations, mais 33 collectivités métisses et 23 organisations autochtones. C'est 193 récipiendaires. Nous avons créé plus de 540 emplois et 14,5 millions ont été donnés pour l'année 2013-2014 pour financer 50 nouveaux projets. Et il y a également trois nouveaux accords essentiels et 47 projets améliorés. Ce nouveau fonds de relations, c'est un autre moyen de renforcer nos relations avec les nations autochtones. Comme je l'ai dit, nous devrions tous être concernés, les Premières Nations, les Autochtones et les Métis. Nouvelle question. La députée de Simcoe Nord. J'ai une question pour la Première ministre. Vous et votre gouvernement, vous avez eu 10 ans pour nous donner un plan sur la sécurité lors de la retraite. Et vous avez eu 10 ans pour modifier le système de retraite et pour voir ce que vous alliez faire en ce qui concerne des dettes non provisionnées de 100 milliards de dollars. Vous avez eu 10 ans pour mettre sur pied des lois. Et pourtant, tous les ans, les gens voient que les montants qu'ils vont avoir pour leur retraite ne vont pas être suffisants. Et maintenant, vous parlez de réforme des régimes de retraite, mais en fait, il y aura plus de déductions obligatoires pour les travailleurs et les entreprises. Lundi, vous avez dit qu'un régime de retraite amélioré, c'était le choix pour que les gens puissent avoir alors, une retraite convenable. Quel est votre deuxième choix? Le ministre des Finances. Je remercie la députée pour sa question. Et évidemment, j'apprécie l'inquiétude des députés, c'est-à-dire tout le monde se demande ce qui va se passer quand on va prendre sa retraite. Donc, dans tout le Canada, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème. Le problème, c'est que les gens n'ont pas assez d'argent pour prendre la retraite quand on dépend juste de la régime de retraite du Canada. Et donc, nous, les ministres des Finances, nous sommes rencontrés et nous avons décidé qu'il fallait changer certaines choses. Et il y aura une réunion du Conseil de la Fédération la semaine prochaine et on va discuter avec M. Flaherty, votre homologue dans le gouvernement libéral, et on va lui demander de trouver des façons pour protéger les retraites des Ontariens et stimuler en même temps l'économie. Question complémentaire. Cette réponse me suggère que votre deuxième choix, c'est l'idée d'avoir un nouveau régime de retraite pour l'Ontario qui correspondrait au régime de retraite du Canada. Et ça, ce serait une autre taxe demandée aux employeurs. Un plan ontarien, ce serait de nouvelles dettes pour le gouvernement ontarien, parce que cela demanderait de payer pour les 1,4 million d'employés. Alors, vous savez que la province a un déficit budgétaire de 10 milliards de dollars et une dette de 280 milliards de dollars. Et chaque année, la province paye environ 11 milliards de dollars d'intérêts sur sa dette. Alors, il faudrait réduire les dépenses, geler les salaires
mais vous voulez toujours dépenser de l'argent pour vous sortir des difficultés économiques. Est-ce que vous vous rendez compte que cela coûterait aux contribuables 3,3 milliards de dollars par an? Le ministre. Je pense que les gens d'Ontario ne veulent pas d'une vision à court terme, comme c'est ce que veut l'opposition. Alors je pense que là, il faudrait prendre des décisions difficiles aujourd'hui pour les générations à venir. On reconnaît bien qu'on a une situation économique difficile, mais on va faire preuve de leadership pour protéger les Ontariens et même tous les Canadiens. L'opposition ne voudrait que conserver le statu quo. L'autre côté voudrait que l'on donne de l'argent à tout le monde, mais bon, nous, on va avoir une approche équilibrée avec vous et sans vous. Et je pense que ce qu'il faut, c'est qu'il y ait donc un mélange de solutions. Nouvelle question. Le député Témiscamingue-Cochrane. J'ai une question pour la première ministre et la ministre de l'Agriculture. Alors, les gens qui traitent les aliments ont à remplir toutes sortes de formulaires, doivent suivre toutes sortes de règlements qui n'améliorent pas la sécurité alimentaire. Et la moitié des abattoirs, 267 abattoirs de l'Ontario, ont dû fermer boutique. Et dans la loi sur les aliments locaux, on pourrait réduire ou rationaliser les règlements pour les petits abattoirs. Mais la motion a été rejetée par le gouvernement. On ne peut pas avoir de la nourriture ou des aliments locaux sans avoir des gens qui vont traiter ces aliments. Et la première ministre. Bon, ça, c'est après ma réunion avec la table ronde, prête à faire des affaires ou prêt à faire des affaires. Et ça, c'est pour que le gouvernement travaille avec différents secteurs pour nous assurer que l'on va changer les règlements qui doivent être changés. Et donc, on a eu un accord et ça marche très bien. En fait, il y a eu des règlements comme sur, par exemple, les eaux usées, des règlements qui sont changés parce qu'on a entendu de la part du secteur avec lequel nous parlions que ça ne marchait pas. On essaye de travailler avec les gens qui travaillent dans certains domaines et on peut discuter avec ces gens-là pour voir les règlements qui marchent, ceux qui ne marchent pas. Question complémentaire. Encore une fois, pour le ministre ou la ministre de l'Agriculture, alors je pense que dans les régions rurales, on a besoin d'aliments également. Alors pour le moment, les règlements qui concernent ceux qui traitent les aliments, ça ne marche pas pour tout le monde, en particulier les petits entrepreneurs, ceux qui traitent les aliments locaux dans les petites collectivités. Encore une fois, est-ce que la Première ministre va s'assurer que ces petites entreprises vont être représentées? La Première ministre, j'apprécie cette question. Ça, c'est quelque chose qui a été soulevé auprès de moi plusieurs fois. Je comprends la différence de capacité pour les petites entreprises comparées aux grandes entreprises. Je sais également que certainement on est parfaitement au courant du besoin d'avoir une sécurité dans toute la chaîne alimentaire. Certainement, cette table ronde, c'est là où on doit avoir cette discussion. Je vais informer la Chambre que j'ai déposé sur la table un rapport du commissaire à l'environnement de l'Ontario. Il y avait deux personnes dans la tribune du président. Il y avait un de mes amis, M. Padecki, et qui a joué dans l'équipe de football. Je l'ai battu au basketball, mais il m'a battu au hockey. Et il a donc été dans différentes équipes. The member from London Fashion.
La députée de London Fancher pour un rappel au règlement. Oui, je voudrais ajouter à ma liste d'invités Raddy joue comme qui joue pour différentes équipes sportives. Alors on a des votes différés en ce qui concerne une mise aux voix. Ce sera une sonnerie de 5 minutes. Projet de loi 32.
Would the members... Je vais prier les députés de s'asseoir. Je vais encore une fois prier tous les députés de s'asseoir. Thank you. On November the 5th, le 5 novembre, on a proposé la deuxième lecture du projet de loi 32. Tous ceux qui sont pour vont se lever. Mr. Sattler. Mr. Hatfield. All those opposed, please rise one another. Tous ceux qui sont contre vont se lever. La motion est adoptée. Troisième lecture du projet de loi. Et le projet de loi sera intitulé comme dans la motion. Le député de Breeze Gray Owensham pour un rappel au règlement. Le 4 novembre, quand on parlait du projet de loi 36, j'ai dit 725 millions. Ça devrait être 527 000. Tous les députés savent que c'est tout à fait correct de vouloir corriger ce que l'on a dit soi-même. Donc, nous reprendrons la séance à 3 heures cet après-midi.